la nécessité, à mon avis, de s'ouvrir au public, nous a mené très vite à essayer de participer au maximum d'expositions, soit à la Castres même, c'est-à-dire montrer à la municipalité de quoi on était capable, et on a participé à quelques expositions dans la ville, pour la ville, mais aussi pour dire, vous voyez, il n'y a pas que le rugby, hein, Castres, il n'y a pas que le rugby, la France entière peut admirer Castres dans d'autres réalisations. Et c'est comme ça qu'on a participé à plusieurs expositions nationales. À Villebon, il y avait Rail Expo, etc. Enfin, on s'était regroupé avec des Belges, les Charoul Mapoul, qui avait fait un très grand réseau modulaire, etc. etc. On avait fait aussi, avec des copains, un réseau dit époquin, où tout le monde apportait un peu son manger, comme une auberge espagnole, qui une gare, qui une grue, qui un pont. Et ça avait fait un grand réseau centré sur l'époque 1, c'est-à-dire des très vieux matériels, etc. etc. Donc des activités collectives, chaque fois. L'un d'entre nous, et je crois que c'était François Fontana, dit « ça serait chouette si on pouvait imaginer des tout petits modules qu'on pourrait prendre sous le bras et amener en expo pour les raccorder avec d'autres copains qui auraient les mêmes, avec une interface commune, et faire des grands réseaux avec des petits modules qu'on peut prendre sous le bras dans le métro. » C'était une explosion de joie dans la voiture, c'était une très bonne idée, tout le monde était d'accord sur le principe. Et François Fouget, dit François Pignon, s'est jeté sur l'idée et a très vite dessiné une interface qui lui paraissait jouable. Ça s'est mis à discuter de ça. Sur le forum Le Correvue, des dizaines de gars se sont agrégés à l'idée, plein d'enthousiasme aussi. À un moment, il a fallu dire « Oh là, arrêtez tout !» Il y a des gars, ils voyaient déjà le moment où on allait mettre, je ne sais pas moi, le triage de Saint-Juéry. Alors le modulino, ça fait 31 cm de profondeur. Ça fait une longueur humaine. En général, la norme, ça serait plutôt 60. Mais ça peut faire 30. Peu importe. Ça, c'est la grande liberté. La seule obligation, c'est l'interface. Il faut pouvoir raccorder avec le copain. Et que ce raccord, aussi absurde soit-il, fonctionne techniquement. Alors, il y a eu tout de suite des esprits grincheux qui ont dit « ça va être affreux ». Parce qu'il va y avoir un modulino qui va représenter la campagne normande avec des vaches vertes et grasses. Et puis il va y avoir un modulino qui va représenter la meseta centrale espagnole brûlée de soleil, etc. Et ça ressemblera à rien. Et on a dit on verra bien. Et notre pari a été que les spectateurs, vus de loin, verraient un très grand réseau, constitué sans doute de bribes et de morceaux. Mais après tout, Arlequin, vu de loin, est un personnage. Et quand on se rapproche, eh bien, très vite, on a les yeux qui se fixent sur les détails. Or, comme le modulino est tout petit, l'auteur du modulino travaille les détails à fond. Donc, le spectateur s'approche et se met à admirer la clôture électrique, les cigales dans les oliviers, enfin, Dieu sait quoi. Et il ne s'occupe pas de savoir à quoi ressemble la liaison avec le modulino suivant. Et le modulino suivant, c'est le désert de l'Arizona. Mais c'est génial, les cactus et les urubus qui sont perchés dessus. Et puis le modulino suivant, qui sera le canal de l'Ourcq, etc., etc. Et chaque fois, c'est génial. Ce qui compte, c'est que là, sont offerts au public tout un patchwork de détails qui les émerveillent. Et ça marche toujours, parce que maintenant, ça fait plusieurs fois que les modulinos ont été montrés, soit à Paris pour la première fois, soit à Castres. Nous, on a fait deux expos. L'avant-dernière, il y avait 81 modulinos qui s'emboîtaient les uns derrière les autres. Personne n'a jamais pleurniché en disant « Oh, ça ressemble à rien !» Mais si, ça ressemble à quelque chose. Voilà, ça, c'est la merveille des modulinos. Et la deuxième merveille des modulinos, c'est que les gars qui rentrent là-dedans, qui se disent « Oh, j'ai envie de m'en faire un », eh bien, c'est comme une drogue dure. Un modulino, c'est une merveille. C'est une merveille modélistique, c'est-à-dire qu'on se jette là-dedans comme des fous, parce que 31 cm sur 60, on peut tout y mettre, hein, les marguerites, etc. Et deuxièmement, c'est une merveille humaine, parce qu'on est en relation
avec d'autres modélinautes, des dizaines de modélinautes, qui tous sont prêts à rigoler, bouffer du fromage et boire du vin jaune, etc., etc., et faire de ces événements des fêtes. Alors, de quoi peut-on rêver de mieux ? Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.